Paris réussit pour Philippe Dufour. Le candidat de La République En Marche arrive en tête du premier tour dans la 6e circonscription avec près de 27% des suffrages exprimés. La méthode d'Emmanuel Macron, c'est cette démarche-là de renouveau politique, de rassemblement, qu'on puisse travailler tous ensemble, au-delà de nos clivages, de droite, de gauche, que tout le monde vienne, tous ceux qui ont un seul objectif. L'idéal n'est pas de droite, l'idéal n'est pas de gauche. Si c'est une bonne idée, on l'amène jusqu'au bout. C'est le message qu'on a martelé sur le terrain pendant toutes ces semaines-là, et ça a porté ses fruits. Il sera opposé au second tour à Sébastien Jumel. Le maire de Dieppe, qui a obtenu près de 23% des voix, compte sur une nouvelle dynamique. Les habitants ont renouvelé leur confiance et même amplifié leur confiance à l'égard du maire et de la municipalité. J'ai le sentiment que notre posture de campagne qui a consisté à porter à la fois la colère du peuple, mais aussi l'espoir du peuple et la voix du territoire, eh bien, a prospéré. Du côté des Républicains, on accepte la défaite avec un peu d'amertume. Ce qui est dommage, c'est qu'on vote pour un député qui n'a aucune expérience, ne connaît pas son territoire. Mais voilà, c'est comme ça. Et je crois que ça sera partout pareil en France. La députée sortante, Marie Leverne, obtient un peu moins de 10% des voix. Éliminée, elle n'a pas souhaité s'exprimer.